quand même, ici à Shédigan, c'est beaucoup associé avec la musique. On n'a pas moins de 5 ou 6 chansons qui ont été composées sur le thème de la Carême. Et ça joue au long de la semaine à notre radio communautaire. C'est vraiment du spécial. Puis ce soir, on va en entendre quelques-unes de ces chansons-là.
Mikan et Joyeuse Mikalem ou Bonne Fête à la Mikalem à tout le monde. Je sais pas comment dire ça en français, mais en tout cas, j'ai essayé. T'as essayé, c'est bien vu. Oui, merci beaucoup, Charlie Dan. We were planning on coming up for a couple of days and spending, and it's just wonderful. Merci à la Société Saint-Pierre, Jérémy Poirier, Lisette Bourgeois, puis toute la gang pour nous avoir invités pour prendre partie dans ce spectacle. It's always good to be here. On behalf of Beverly and I, thank you to Jérémy, Lisette, and the Société Saint-Pierre for having us. So we're just going to play some tunes. It's not a big show. I would like to send a special shout out to a friend of ours who's having a hard time, and I've got some good news today that things are getting better for him. Jason Roach, well-known musician in the area and a good friend of mine for the last 20 years. Haven't seen him a whole lot, but he's got lots of love and support up in Halifax right now. So Jason and Bill, Linda, Jillian, if you guys are listening, and Randy, we're all thinking about you. Speedy recovery, get home and get back on stage. We miss you and love you. So anyways, here's some tunes. And anyway, we're off. The crowd goes wild. Yeah. Okay, so we'll just, I'll leave this one a surprise, but maybe we'll play it a couple of times throughout the day since everyone likes it. So anyways, again, thanks for having us. Hope everyone's having fun at home. Take care, and hopefully we'll see us all live soon.
I'll play you something Jerry used to play. Yeah. I know you like Jerry Slow stuff. Yeah. He plays on reels. Right. What was he used to ask me to play? My Cape Breton Home, wasn't it? My Cape Breton Home, yeah. Thank you.
La mi-carême, c'est une vieille tradition qui remonte à la France du Moyen Âge. Et dans tous les pays francophones, autrefois, on fêtait la mi-carême. Et partout ailleurs, ça semble être disparu, sauf quelques endroits isolés, comme ici à Chédicamp, Saint-Jean-du-Moine, aux îles de la Madeleine, à Fatima, sur la côte nord du Québec, en Attachouan, et l'île aux Grues. C'est à peu près les seuls endroits qu'on connaît qui fêtent encore la mi-carême. Mais nous autres, on a conservé ça avec beaucoup d'entrain. Puis c'est très précieux pour nous autres parce que à Chédicamp, on est très loin du reste du monde. Vous en avez rendu compte. Et l'isolement, ça peut être difficile à supporter. Donc, dans ce mi-carême qui arrive au milieu du mois de mars, c'est une occasion de fêter et se divertir un peu. On dit que les cabinets des médecins sont vides la semaine de la mi-carême. Tout le monde oublie leur bobo, puis on a du fun. Puis on semble oublier toutes les petites querelles, les petites chicanes qu'on aurait pu avoir au cours d'année. Puis tout le monde devient ami. C'est vraiment dans un esprit de fête qu'on vit cette semaine. C'est une belle couleur, ça aussi, pareil, hein? Oui, j'ai déjà changé de couleur. Okay. Voilà, changer de couleur. Moi, je ne l'ai pas connue tout de suite. Elle est fancy. Elle est fancy. Elle est fancy. La façon dont vous avez sorti mes meilleurs, oui. J'ai sorti mes meilleurs. Elle a eu un père, c'est qui? Oui, il faisait assez beau, j'ai abordé. Elle a passé ce soir, ben oui. Elle a dit qu'elle a bouché un scarf, elle a dit qu'elle a bouché un mouchou. Oui, ben j'ai dit, si vous passez des chauffes avec ça ce soir, alors je l'ai. C'est compliqué la vie. C'est compliqué. J'aime ton chapeau. Tu vas te trouver, mais t'en cherches-tu elle? C'est pas elle? C'est pas elle, rien. Oh, c'est ta sœur, ça!
Ah, mais t'as besoin de le dire. Ah, t'as besoin de dire à sa langue. À sa langue, bien sûr. Ben non, c'est avec Jewelry. À sa langue, hein. C'est ma soeur. Ah, qu'un soir. Ça peut pas être plus long. Ça peut. Alors, elle peut plus le dire. Aussi plein, comme ça. Aussi plein. Et un pilote. C'est ça. Mon pilote est rond de bouche, hein. Vous voulez bien nous chanter une chanson? Tu crois que tu veux savoir si vous voulez aller chanter une chanson? Ça, il y a un mic droit là, si vous voulez aller chanter. Viens-tu, ma soeur? Ma vache et ma tante la comptée. Son souvenir brisait mon cœur. Ma vache et ma tante la comptée. Son souvenir brisait mon cœur. Son souvenir, son souvenir, son souvenir brisait. Allez-vous voir, ce sont comme ils ont.
Thank you.
Allô? Ça va bien? Ça va bien, ouais? C'est d'amour. Oui, c'est la soutane.
Je pensais, j'ai l'impression que quand je la voyais, j'ai dit que t'as vraiment plus la carte de tout. Et puis tu cours pas la mitarane, j'y vois souvent. Ils aimaient entendre nos chansons de André Aubin, le père de mon grand-père. C'est avec grand plaisir qu'on vous fasse tout de suite. Daniel, Ça ferait toujours, je suis malade. Thank you.
Là, ça danse. Alors, on va voir ça très bien. Allô. Bonsoir, bonsoir. Tu seras bien.
Demain, ma gueule, parce que...
changé de chaussures. Eh, hey, mais tu sais, elle a changé les gouttes. Non. 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 T'es sûr? C'est pour les mêmes. Stéphane, tu décides dans 5 minutes. Ça va être un bac à l'eau. Ça va être un bac à l'eau. Ça va être un bac à Il fait semblant qu'il me comprend pas. Il me comprend pas. C'est pas Billy. C'est-il Billy Crowley? Pourquoi? C'est pas lui? Ah, t'as qu'à ça. C'est pas Denis Harrell, bien sûr. Bon, je crois. Vous autres, vous fatiguez pas sur les mains. Ah? Thank you.
He's probably watching online. I should take a picture with Mike and my little kitchen. Yeah, I know you're going to take a week. Ça doit être ma femme, ok. Puis ça, là, si c'est pas...
la classe de 83, ils étaient. Moi, je crois que c'est deux sœurs qui étaient. Mais elle, c'est fini, je crois. Il y a ça, oui. Oui. Ça, c'est Victorine. Oui. Je suis la fin de la chanson, je vais te voir sur la tour.